Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à SteamWorld Dig 1. Personnellement j'avais déjà joué au 2, j'avais bien aimé. En ce moment il était en sale sur Steam, donc il était pas cher, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter et jouer. Fait que on va commencer tout de suite. Prendre la slot A. Welcome to Tumbleton. Bon. Je ne crois pas que je vais sortir par là où je suis rentré. Ça pourrait faire partie de la mine de mon oncle. Il manque juste un peu de peinture. Vaut mieux l'explorer avant que ne s'épuise ma lumière. Ah, ça c'est le personnage du deuxième jeu. Qu'est-ce que tu fais? Ton entrée spectaculaire a démoli le toit. Je suis désolé, mademoiselle. Mon oncle m'a envoyé à cette mine. Je partais pour Tumbleton afin de découvrir pourquoi, puis je suis tombé. Oh, tu es le neveu de Joe. Ça fait un moment qu'il est parti. Je descends discrètement à la mine quand je peux et je viens de le trouver. Je suis désolé. Tu devrais aller voir toi-même. Bon, fait qu'il faut retrouver Oncle Joe. Fait que marcher, sauter, rien de nouveau. Ça fait un bail, cher oncle. Pardon de ne pas être arrivé avant ta disparition. Tu as toujours dit qu'on était pareil. J'ignore pourquoi tu m'as envoyé ici. Je ne suis pas mineur. Je ne veux pas te priver de ton butin. Si je pouvais t'emprunter ta pioche, je pourrais sortir de cette tôle. On a la pioche de la personne de cité, qui était son nom. Bon, fait qu'on va creuser tranquillement. Ok. Pas l'air d'avoir des dégâts de chute. Je vois que tu as trouvé une pioche. Tu ressembles à un vrai mineur. C'est bien, le levier de la porte s'est fait ensevelir quand tu es tombé. Il faut creuser un tunnel au-dessus de nous pour y arriver. Bon. C'est bien, ils disent que c'est où. C'est où qu'on s'en va, là. Avec le petit point rouge dans la minimap. Aller par en bas ici. On a trouvé le levier. Des petits sauts sur les murs, toujours agréable. Bon, on est à Tumbleton. C'est agréable de voir un nouveau visage en ville, surtout quand il est si beau. Merci, madame. Il n'y a pas souvent de nouveaux arrivants. Les gens préfèrent aller ailleurs en général. Alors, tu es notre nouveau mineur. Je suis désolé pour Joe, il n'avait pas l'air bien depuis un moment. Tu es un garçon calme comme lui, hein? Tu me laisses faire la conversation. Bon, c'est à la pancarte. Ah, il y a trois personnes. Bon, maintenant, on est quatre. Tu as géré la situation comme un vrai mineur. Puisque tu es le nouveau propriétaire, tu devrais laisser ouvert. Ramène-moi tous les minerais que tu trouves, je te ferai un bon prix. Cette ville en fera bon usage. Au fait, je m'appelle Dorothy. Pourquoi ne tentes-tu pas d'extraire les pierres précieuses? Faut aller chercher les pierres. Et lui, c'est qui? Cranky. Mes amis m'appellent Hank, ou Cranky. Tu peux m'appeler Monsieur McCrank. Il va te falloir une meilleure pioche. Nous n'avons plus de ressources, la mine ayant été fermée. Bon, ben là, elle est ouverte. Bon, il commence à avoir des ressources dans la map, fait qu'on va pouvoir se faire de l'argent. Oh, du
poubellium. C'est trop dur pour ma pioche. On va trouver un autre chemin. Je l'ai spawn kill. Bon, faut aller vendre le butin. On va y aller. On dirait que tu prends le pli. Tu devrais aller voir mon père à la boutique de Mise Animaux. Il réparera ta pioche et tu pourras creuser encore plus profondément. Ne lui dis pas que tu m'as vu en bas. Ouh, niveau 2. Pioche tranchante. J'ai de quoi travailler maintenant. Que veux-tu alors? La pioche tranchante. C'est acheté. Avec cette pioche, tu pourras creuser encore plus profondément et dans des blocs de saleté plus durs. En cherchant des minerais, j'ai trouvé une autre chose. Une caverne. Viens voir, Joe ramènerait toutes sortes de choses ici. Fais attention quand même. Les créatures sont devenues agressives depuis sa disparition. Oh! Ok, ça creuse pas mal plus vite. La citrine, ça vaut 16 pièces. Bon, ayant joué au premier jeu, je sais que si on casse... mettons le bloc de terre en dessous de la roche, mais elle peut nous écraser, mais elle peut tuer aussi des ennemis, fait que c'est quand même pratique. Mais faut faire attention. Ouais. Exactement comme dans le deuxième. Ouch. Bon. Fait qu'on a trouvé la caverne. Je pensais avoir le temps de marcher dessus. Ah non, j'ai plus de place dans mon inventaire. Ouais, puis ça, je peux pas le casser. J'ai sûrement le temps de sauter. Ah, ok. On va aller voir en bas. Votre turbo, je vais pouvoir courir en appuyant sur X. Bon. Il y a des choses en bas. On va s'occuper de ça. Pas assez de place. Bon. Il n'y a rien en bas.
On va peut-être pouvoir aller ailleurs plus tard dans le jeu. En ayant une meilleure pioche. On va retourner en haut. On n'a plus de place dans notre inventaire. Peut-être qu'il en a d'autres dans la mine, quelque part. Tu l'as montré à mon père? Tu devrais. 24$. Montre pas au niveau suivant, puis de suite. Tu as trouvé l'une des cavernes de jaune, n'est-ce pas? J'ignore quelle bizarrerie il faisait là-dessous. Des rouages et de la vapeur, ça oui, mais il faisait autre chose de bizarre. Il stockait des trucs dans ma boutique. Parfois, de drôles de trucs brillants. Je préférerais qu'il les mette dans sa caverne. Que veux-tu alors? Alors c'est gratuit. Ah, moi je suis déjà 100%. Pioche de cuivre, ça prend 30$. Je pense qu'on va économiser pour ça. On va laisser faire les échelles. Je pense pas en avoir besoin. Bon, on va retourner en bas. Ramasser de la money encore. Je pense pas que celui-là va me tomber dessus. Non. Par contre, l'autre, oui. Arranger pour compenser. On va aller tuer l'ennemi, je pourrais être sûr. Et voilà. Quand on tue les ennemis, ils redonnent de la lumière. Ça nous permet de rester plus longtemps dans la mine. Ça, c'est bien. Il a l'air d'avoir une autre caverne. On va aller voir ça. Et voilà. Je pourrais peut-être. Ah, ça vaut rien, c'est la poubelle. Oh. Bon, je sais pas à quoi ça sert encore, mais on va sûrement le découvrir plus tard. Bon, je pense qu'on va retourner en haut. Sacoche, lampe. Avoir plus d'espace, ça serait pratique en effet. On va aller voir si ça serait possible. Plus un inventaire. Moi je pourrais acheter la pioche de cuivre et la sacoche. Puis la lampe, ça sera pour une autre fois. Ah, ça va vite. On va aller voir si ça va autant vite. Oui. Bon,
pas pour les minerais, mais... Ça roule. On va se faire un petit peu d'argent tout de suite, ça va être fait. Puis peut-être jeter les ressources de poubelle, hein, parce que... Au coût d'un dollar, on n'ira pas loin. Tourner vendre. Ça va redescendre plus vite. Faites un building droit ici. Je sais pas si ça va mieux. Je pense que. Lampe à charbon. C'est tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de plus. Bon, ce qui paraît, ça va chauffer plus. Je pense qu'on va l'acheter. Ah non, j'ai pas les moyens. Non, ça, j'ai pas les moyens. Ah, j'ai pas 75 ça. Je pense pas que ça vaille la peine, la lampe pis le chat. La santé, bon, c'est pas. On mourra pas tout de suite. Ah, il y a du dégât de chute, hein. Faut faire attention. Juste glisser sur les murs règle le problème. On est revenu où est-ce qu'on était? Là, si j'ai bien compris, il devrait avoir une caverne à chaque petit étage ligné qu'on voit. On voit dans les mini-cartes. On va mettre cette théorie-là en pratique. C'est une belle ressource. Oui. Je vais péter celle-là pour être sûr. Bon. On va aller voir à droite. Vu de caverne. Moi je cherche la caverne. Peut-être je cherche un peu trop bas, un petit peu trop sa ligne. On va aller chercher à gauche.
fait qu'il n'y en a pas tout le temps. Succès pour les avoir spawn kill. Oh, il y a l'air d'avoir de quoi ici. C'est-tu un téléporteur pour revenir à la ville plus rapidement? Oui, ça va être pratique ça. J'ai pas assez d'argent, je pense, pour acheter la meilleure langue. Ah, nouvelle grotte. Les contrôles juste d'un bord. C'est pour ça que j'ai fait un petit détour. De l'eau. Bon, on va aller voir la grotte. Y'a rien en bas. Faut courir un peu. Boum. Oh, ok, j'ai eu peur un peu. Alors c'est quoi ça? Peut-être qu'il faut apprendre par derrière. Ouh, la piégée. Je pense pas que c'était une bonne idée ce que j'ai fait. Oh, à pas peur. Tu as un double jump. Non, faut retourner en ville. Peut-être qu'on va le savoir après. Bon, peut-être que ça prend de l'eau vu que c'est de la vapeur, justement. Il y avait de l'eau ici. Et ça recharge. Ça peut péter le bloc. Oui. Il y a trop de vie. Bon, fallait pas appuyer sur tout. Ah, bah ben, écoute. On va retourner en haut. Oh, madame veut parler. Il y a plus de temps que Joe passait à la surface, il le passa au port. Il était tout seul en général, il griffonnait des notes. J'ai trouvé cette vieille nappe sur laquelle il gribouillait. On dirait un peu une carte, non? Il a écrit quelque chose dessus aussi. Bon, il veut que j'explore la caverne. Tu as donc découvert des choses sur cette étrange technologie. C'est étrange que ça t'aille aussi bien. Comme si ça avait été fait pour toi. Bon,
Là, on va pouvoir sûrement acheter la langue. T'es-tu comme ton oncle, il n'en faisait qu'à sa tête, lui aussi? Je ne peux pas t'en dissuader. Je peux t'aider à comprendre. Je refuse que ma fille soutienne encore un mineur perdu. Que veux-tu alors? On peut avoir une meilleure pioche. On va la prendre. Bon. On va y aller avec la pioche en fer dessus de bord. Ah là, ça commence à prendre des petites boules. Bon. Faut aller où? Y a-t-il une carte? Non, on peut juste se fier à la mini-map. Bon, faut aller plus bas. Bon. Ah là, ça va vite. Piou, piou. Oups là, pas de niaiseux non plus. $25 la ressource. Ça roule. Hein. J'ai pas de la poubellium. Ironium 4$. Ça, ça devrait. Bon, on va acheter ça. Attention. Il a l'air d'avoir des belles ressources. Tiens, tout est seul. Plus. Ça valait 12 ans. Ça valait la peine. On va remonter en haut, on n'a plus de place. Bon, on va péter ce bloc-là. Puis peut-être qu'acheter des PV serait une bonne idée. Oh, téléporteur. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner de plus. Ok, on peut avoir un téléporteur qu'on place où est-ce qu'on veut. C'est bien. Mais je pense que je vais aller avec le sac. Bon, je pourrais aller avec le téléporteur aussi. Puis la lampe à charbon, on va la laisser faire. On va acheter ça. Il y a une belle petite caverne à gauche. $25. Il y a des pics en bas. On peut dessus? Oui, on peut. Oups là, faut pas tomber non plus. Ouch. Non, non, non. Non, non, non. On va prendre le cœur. Avant de mourir. Bon, on va faire ça, c'est plus simple. Il y avait juste l'argent. Ouais. Ça se prend bien pareil. Chercher la ressource de tantôt, je pense qu'il y a quand même beaucoup.
manque un petit peu d'eau. Ici. Il n'y a plus d'eau. Oh, ça casse pas aussi facilement. Ah, il y a des pics qui sortent de nulle part. Alors, je pense qu'on va revenir le chercher plus tard. Là, je me demande si je peux casser ça. Non, je peux pas. Bon, faut retrouver un moyen de. Ouh, je pourrais mettre un téléporteur. Je sais pas trop comment installer le téléporteur. Peut-être en aller voir les boutons. Contrôle. Chien, très sauté, gauche, droite, courir. I, Y. Ah, et voilà. Oui, j'ai trouvé des choses intéressantes. 132$. Bon, pioche d'acier. Peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir casser. Plus de choses. Ok, je pense qu'une fois que tu l'utilises, tu l'as pu. Peut-être que je devrais pas trop en abuser. Bon, il a l'air d'être insérant. Je sais pas si on pourrait le déplacer. Ou le casser. Bon ben. On irait pour mon téléporteur. Je peux toujours pas le casser ces blocs-là. On va y contourner. Ah, j'aurais dû y aller là-bas. Bon, même si ma pioche s'améliore, ça améliore pas les dégâts. Faudrait débloquer l'autre bord maintenant. Oh voilà, tombe dans un. Ah, j'ai juste sauté dessus. Ah, on l'a eu. Ah, il a fait de bobo, mais on l'a eu. Et petite ressource. Allez, on va passer au travail. 50$. C'est bon, c'est bon. Bon, on est quasiment arrivé au prochain objectif. Commence à avoir des ressources bleues maintenant. La petite bouboule là. Ça explose. Ça.
du chocolite. Je pense que ça, ça vaut plus. Ouais, t'as pas mal les gars. Bon. Ça, je peux pas écorcer. Je pense que peut-être avec un nouveau power-up, je pourrais écorcer. La flèche en indique à droite. On va aller à droite en premier. Passer par en bas. Non, là, faut passer les blocs ici. Ici, on peut passer les blocs. Il n'y a rien d'autre. Parfait. Bon, on en a plusieurs à activer. Un de fait, c'est déjà ça. On va aller voir par en bas. Continuons, continuons. J'avais plus de place pour cette ressource. Oh, attends, ça, ça vaut bien plus que ça. Et... oh, j'en ai deux à tuer. J'ai pas vraiment de trucs pour les tuer en ce moment, c'est juste terrible. Failli mourir. Ah, il a redonné de la vie. Failli mourir, pareil. Un deuxième défaite. La seule autre place que j'ai pas été, c'est à gauche. Une, deux, trois. Ouais, quand il nous touche, il nous repousse beaucoup, les amis. Et voilà. On va essayer de faire ce petit saut-là. Hé hé, on va pouvoir passer. Mais j'ai plus de pioche. Mais j'ai une foreuse. On va retourner voir. On va suivre la quête principale. Qui est juste de revenir. Ici. Ils veulent qu'on aille par un. Ah, ça va vite. Mais ça consomme de l'eau. C'est pas curieux si j'ai plus de. Je me demande juste qu'est-ce qu'il y a eu si j'ai plus d'eau. Je peux pas revenir à ma bonne vieille pioche? Ah oui, je peux. Ok. Old World. Hey, hey. On va voir les choses en premier. Wow, cette foreuse, elle est vraiment puissante. Assez pour percer un sol très solide.
Tu penses que c'est ce que Joe voulait que tu fasses? Découvrir Old World sous la mine? Il doit y avoir des trésors là-dessus. Il n'y a que des Shiners ici. Ils n'ont aucune notion de la valeur des pierres précieuses. Ça pourrait être une ruée vers l'or pour un Tumbleton. Oh, 200 or. Réservoir profond, armure de fer. T'as atteint Old World. C'est un endroit humide et traître. Tu as vidé le tuyau pneumatique aussi. C'est plus fiable que ces trucs brillants. Fais attention pendant ton exploration là-dessus. Les Shiners peuvent faire être très dangereux. Ce n'est pas le meilleur endroit pour une mine. On ne choisit pas ce genre de choses, j'imagine. Que veux-tu? Plus gros sac, ça pourrait être le fun. Sinon, santé plus sûr. Ça aussi, ça pourrait être pratique. Beaucoup de choses pratiques. Je pense que j'allais avec le plus gros sac pour commencer. Puis l'armure, parce que d'un fois, je pense pas que je vais mourir. On va retourner à Old World. Bon. Une petite chocolatine. Bon, on va faire ça. On va réserver son eau parce que j'ai pas vu beaucoup d'eau. On va aller voir, il y a de la TNT. Oh, ça va exploser. Peut-être faut que je donne un petit coup dessus. Oh, l'autre va exploser. Ça c'est fait. On dirait qu'on entend du monde ronfler, c'est quand même drôle. Galen, 17$. Ouais, c'est pas du monde qui dort, mais. C'est des monstres avec des explosifs. Oh, oh, oh. Ah, ils font mal. Je pense qu'il faut égaler le terrain. Fait qu'il faudrait que ça soit cette hauteur-là. Celle-là aussi. Oh, ben, je vais essayer de le saut. Là, faut que je m'attasse vite après. Et juste un petit coup de plus. Ici. Et voilà. Faudrait revenir en haut bientôt. Plus beaucoup de flammes. À moins que. On puisse en avoir en frappant ça. Non. Bon, on va remonter en haut. Avant qu'il soit trop tard.
Pressuriseur, pioche destructrice. Plus un dommage aux ennemis. Bon. Réservoir profond, ça pourrait être le fun finalement. Plus d'eau là. Puis on a assez d'argent pour l'armure en acier. On va y aller. Je pense que quand il y a un crochet vert, ça veut dire que c'est au maximum. Je pense qu'on est bon avec ça. On va retourner où est-ce qu'on est rendu. Belle petite boule ici. Et voilà. On va chercher l'argent qui est ici. Ensuite de ça, il y a un ennemi ici. Explosion en chaîne. Ah, on a un nouvel objectif. Ennemi que j'aime beaucoup. Ok. On attaque deux fois. Deux. Pas si compliqué que ça au final. C'est pas fort de ma part. Fait qu'il y a une petite grotte là. D'habitude, il redonne la lumière. Ça devrait être correct. Ah, ouais, y'en a qui dorment. Ah. La lumière, pas beaucoup de lumière. Bon, lui, il va mourir explosé. Il n'a pas dormi sur les explosifs. De l'eau. Je pense que c'est des pics. Et voilà. On va se prendre un bon élan. Ah, oh, attends, il y a un échelle ici. On va faire péter ça. On lui a fait peur. On va péter ça. Je pourrais être sûr. Ah, il me vise bien. 7 coups avant qu'il meure. On a un power-up. Dynamique. Bon. On
Des petites boules bleues. Je pense que le but c'est que... Je sais pas si je lance de la dynamite ici. Ah, ça serait. Bon, on va faire un petit coup rapide avec le. Ah, c'est pas bien, je peux me demander. Ah, attends, je peux lancer les dynamites. Pour faire un petit passage. C'est un ennemi, ça. Ah, je peux les enlever. Oh! Bon. J'ai perdu mes belles ressources. Je pensais pas tomber. On va remplir la vanille. Glou 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 glou. Un robot qui peut être là. Si je peux aller rechercher mes ressources que j'ai perdues, ça serait agréable. Parce que là, les ennemis ils respawnent pas. Oui, je peux aller rechercher mes ressources. J'ai l'air d'avoir un petit symbole sur la carte. Ah, je l'ai manqué. Ah, oh, l'explosif peut sauter. Il est tellement mal placé, je peux pas le tuer. Moi je voulais aller dans le crotte après, hein, fait que. On va y aller. Cette place. 17$, ça vaut 100$. Le choix était facile. Bon, il faut trouver un moyen de remonter en haut sans mourir cette fois-ci. Bon, ça serait nécessaire de les attaquer. Au moins il m'a healé. Oh, il y a un gros sac. C'est mon sac de ressources que j'ai perdu tantôt. Hey. C'est une joke. Bon. Les champignons là sont fatigués.
il attaque plus parce qu'il saute. Alors, on pourra le tuer facilement. Et voilà. On va faire un saut. 2, 3. Ça en prenait plus. Un téléporteur. Fait qu'on va aller vendre des choses. On va aller rechercher l'argent que j'ai perdu tantôt. Donc ça, on va venir vendre des choses. Oh, il y a quelqu'un de nouveau. Le petit village s'agrandit. On va aller voir la personnalité. Ça pourrait marcher. Dépêche jusqu'à quelle hauteur ça peut amener. Ah, ça c'est la limite. Puis j'ai pété tous les champignons tantôt. Bon, si on réussit à torser lui, on va pouvoir me prendre un élan. Puis peut-être sauter plus loin. Et voilà. Bon, il restait pas grand chose finalement là-dedans. Pioche de scie, c'est toujours fait. Ok, faut vraiment que je rachète la dynamite à chaque fois, comme les téléporteurs. Peut-être que ce serait pratique d'attaquer plus fort. Puis je peux acheter la lampe, puisque là, il y a quelque chose de nouveau. Oh, je vais pouvoir sauter deux fois. Ouh, double réserve. Je pense que ça, ce serait le mieux. Prochaine fois, on achètera le double réservoir. Puis on va aller voir la nouvelle personne. Ouais, le tapis rouge, mon pote. Biff est de retour. Yeehaw! Bien, t'es pas revenu ici depuis tout game. Sûrement depuis tout petit. Les galères sont derrière nous maintenant. Tu nous apporter un peu de renouveau, fiston. Biff Beacon, va là où il y a de l'argent. Oh, pioche de tungstène! Ouh! Un autre vendeur. Bon, ben, on va acheter la pioche tout de suite. Ouh, j'ai pas l'argent, fait qu'on fera ça plus tard. Je vais aller dans le téléporteur. Ça va aller plus vite. Bon. J'en fais encore beaucoup d'argent à faire. On s'en va. Bon, on va aller chercher l'autre petite ressource qui est là. On a besoin de beaucoup d'argent dans le jeu. Ouais, j'ai pas trop de boom. On va tuer lui le plus rapidement possible. Ça va mourir. Je pense que la pioche en tungstène va être très nécessaire parce que ça commence à être long à piocher.
Puis là, ça prend de l'eau. Bon, j'ai plus d'eau. Sinon, je pourrais attaquer ça. Non, je peux pas l'attaquer, lui. Bon. Faut trouver de l'eau maintenant. On prête. Attaquer quand même. Ah, il a donné de l'eau. Bon. Allons voir ce qu'on peut faire avec ça. On va mettre un petit coup. On va mettre un petit coup de main. Si on peut utiliser une pioche. Détruire les orphelins de poison. Essayer un petit peu d'eau. Oh, ben il va se tuer maintenant. C'est bien. On passe des choses, je peux dire en fait, je vais en avoir plus d'eau, bien sûr. Bon, on a récupéré de la vie. On a un nouvel objectif dans la main. Puis là, avant de tomber, on peut le péter. Ouh! 26 dollars. 100 dollars. Faut pas crever. Allez, allez, moi. De la vie. On passe par là. Il y a un petit minerai ici. C'est pas ici. Oh, je suis en l'air. Ah, ok, son explosif a pas explosé. On va ouvrir le raccourci. Secrète, petite popo. On commence à en manquer. Oh. On commence à avoir beaucoup d'argent. C'est un petit peu long, on va aller plus vite. On va essayer de faire péter ça, ça va peut-être tuer la personne qui est en haut. Hey. Ouch. J'ai raté mon chou. Allons-y. RIP, Half-Life 3 n'existera jamais. Bon. Bon, peut-être qu'un jour ça va exister. Là. On va récupérer de la lumière, de la vie, de l'eau. Faire exploser ça.
Je pensais que c'était une plateforme. Bon, je passe à côté de l'homme qui dort. Nouvelle amélioration, coup de vapeur. Coup de poing à l'arrêt, man. Ouch. Là, il y avait un petit passage tantôt de bord qui demandait ça. On va retourner voir vite vite. Ça prend de l'eau, je veux dire. Bon. Curieux de voir ce que c'est que ça donne sur des ennemis. Faudrait l'essayer à bonne hauteur. C'est bien pratique. Bon, malheureusement, je peux pas le tuer où est-ce qu'il est. On va essayer de le tuer sans mourir. Et voilà. Faudrait malheureusement retourner en haut. Y arriver. On va faire sauter lui. Hein. Et voilà. Oh, j'atteins bientôt le fond de Old World. Ah, ce qui paraît, je vais pas pouvoir continuer plus loin. On verra au fond. C'est que j'ai un joint hydraulique. On va aller voir ces améliorations là. J'ai fait tourner cette boutique toute ma vie. La technologie n'évolue pas énormément. C'est progressif. Une invention en entraîne une autre. C'est pas comme ce que tu trouves là-dessus. J'avoue que ça m'effraie un peu. Je ne dis pas que c'est inutile pour autant. Que veux-tu avoir? Un téléporteur, c'est quand même tentant. Il vend ça autre chose, le double réseau. Je pense que ce serait très bien pratique. Puis le reste, on va aller voir l'autre vendeur. Tu te prépares un autre voyage dans les tunnels, fiston. Avant la guerre, on descendait avec les copains et on se lançait des défis. Certains remontaient et disaient qu'ils avaient aperçu des lueurs dans l'obscurité. Je pense qu'ils voulaient nous effrayer avec des histoires de fantômes. C'est pas des fantômes qui vont me faire peur. Il y a avec la meilleure pioche, puis c'est pas mal ceux que j'utilise le plus. Puis les sacs géants, ça peut être pratique pour amener plus d'argent d'un coup. Ok, ça c'est pour optimiser l'eau. Oh, il y a une pièce en argent. On va aller avec le sac en premier. Puis peut-être un petit peu de PV, ça serait bien. Et voilà. Bon. Ça va un peu plus vite. Ça va plus vite descendre que monter. Marcher dans la cible, ça va pas du bien. Bon, c'est bien, les ennemis restent à même place. On était à peu près ici. On va continuer par là. Petite descente tranquille.
va continuer de descendre maintenant. Bon, je sais pas ce qu'il l'a tué, mais sûrement pas avec un coup de pioche que je l'ai tué. Ah, il y avait des pics. Pioche, elle touche pas. Ouch. Faut que je trouve un moyen de me guérir. Faire attention que ça, ça m'explose pas dessus. Plus à gauche. Peut-être que le tonneau explosé, ça va aider. Mon but, c'est de le faire sauter sans moi. Non, ça, ça va aller mieux. Un petit passage. Oh, il y a une ennemie, je tombe dessus. Ah, les pics. L'ennemi est même pas bon. On va essayer de le supérer. Ouh. Ah oui, mais si. Bah lui, bah... il reste plus beaucoup de feu. Non, on va faire ça. On va bien finir par trouver quelque chose. D'autres tonneaux explosifs. On va y aller de même. Ah, enfin du heal un peu. On va aller là. Juste bien, bon, quand ça vient. Je... Faut attendre qu'il se rapproche pour faire juste sauter de dessus. Il se passe des choses en bas. Boum, il est même pas mort. Allez, il est mort. Utiliser ça par contre. Ah, j'ai plus de lumière. Qu'est-ce qui arrive si j'ai plus de lumière? Je peux juste mourir ou... Ah,
Top deck. Ouh, ça fait exploser son nom, ça. Bon, ben, j'arrive bientôt au point 1. Je pense que ça va aller plus vite que. Y'a-tu quelque chose qui vaut pas grand chose là-dedans? Ils valent tout cher, mais lui, j'ai pas de stock. C'est un peu la lumière, mais pas tant que ça. Une autre amélioration. Amortisseur de chute. Oh, il y a quelque chose à péter ici. Ouh, zone secrète. Pas assez de place. Bon, on va jeter ça. Bon, ça vaut sûrement plus 150. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va amortir. Plus de dégâts de chute dans tout ou. Non, je pense qu'il n'y a plus de dégâts de chute. Ah oui. Il y a un levier activé ici. On va checker s'il n'y aurait pas. Chemin peut-être en bas. On va aller plus vite. Non. Bon. Ah, il y a l'air d'être ici le levier. Avec un méga punch. Ah, ça les a one shot. Un petit coup de poing. Puis 150. Ça, ça vaut 99, 144, 116, 130. Avec le moins cher, c'est lui. Là, on va remonter en haut. Ou essayer de trouver un téléporteur. Mais en haut il va être long, je pense qu'on est mieux de juste continuer par en haut. Puis espérer trouver un chemin. On va avoir un téléporteur quelque part. On a l'air d'être arrivé dans une nouvelle zone. Bon, on va aller par là. Je
peut pas creuser grand chose ici. Peut-être que ça passe pas ici. Non. Plus l'air de passer par ici. Oh, un petit chemin ici droit. On a trouvé. Vectro. Ok, un ennemi qui est mort par un laser. On va prendre le cœur. Ok, on a le temps d'esquiver. Ouais. Ça, ça a l'air long à tuer. Ah! Bon, ça fait du bien sur le téléporteur. Quoi, la mine descend encore plus bas? C'est du givre sur ton armure. Comment est-ce possible? La seule chose censée être à cette profondeur, c'est de la lave. Fais attention, je t'en prie. Quelque chose doit refroidir la terre en bas. Tu devrais vraiment explorer ce qu'il y a là-dessous. Réservoir géant, armure de cuivre. J'ignorais totalement qu'il y avait un autre tuyau là-dessous. Ça prouve que ton oncle est au moins arrivé jusqu'ici. Tu vas même découvrir ce que Joe savait. Tu vas devoir marcher doucement. Méfie-toi de ces trucs bizarres. Tu n'as pas seulement ouvert un chemin vers le bas, tu sais. Que veux-tu alors? Me guérir pourrait être une bonne idée. Ensuite de ça... J'ai tout acheté ce qui était utile pour lui. Le plus profondément tu creuseras, le mieux nous serons. Au diable la prudence, casse la baraque avec ta pioche. Yeehaw! Bon. J'hésite. Je pense que je vais acheter la pioche. Il reste une pioche d'or encore. On y va full pioche. Ça va aller plus vite. Puis je joins une relique qui fait quoi? Ah, ça demande 15. On a pas 15. Bon. On va retourner en bas. Donc, on était rendu à une place qui avait l'air quand même dangereuse. Les ennemis ont l'air d'avoir beaucoup de PV. Au moins avec la hache, la nouvelle pioche, ça va. Ça risque d'aller plus vite. Ça, ça peut être un. C'est pratique. Sûrement aller par en bas. Quand les ressources valent beaucoup, ça c'est très agréable. Il y a une petite crotte ici, on va y aller.
Et moi, un chien, c'est parfait. C'est vrai qu'il y a plus de sauts. Ben voyons. On va mourir, je sais pas. Je pense qu'on va laisser faire cette place-là. Ah, ok, on peut recommencer directement là. On va essayer ça. Petit succès, ça fait tout bien. C'est juste des ressources, je pense. Les ressources qui ont de la valeur, par contre. Bon, on redescend. Sans se faire suivre. Ça manquait de lumière. On va continuer vers le bout. On va sûrement trouver un téléporteur. Ça serait fun. On voit quand tu pars en bas. Oh, on a un objectif. Je pense que ça passe par là. Ah, y'a. On va peut-être avoir une nouvelle capacité. Et je. Eux autres, je peux les tuer sans manger de dégâts, c'est pas grave. Manger de dégâts. C'est approche. Ouh. Ok, un coup de conseil. Il court après puis il explose. Ok, il court vite. C'est un timing ce jeu-là. On va ouvrir le petit passage pour là. On regarde pas en arcade. On est à eux.
Détecteur de mine. On peut voir dans la minimap, il y a des. Ben, il y a des petits points, bon, je pense que ça doit être. Ça doit être minimap. Là, je peux pas aller là, mais il y en avait un là. Ici. Continue à descendre plus bas, toujours plus bas. Ouais, il y a un complet pour ce moment, en position. Et j'ai oublié que ça se pète un coup. Ça fait une tuerie. Juste à côté d'un téléporteur, ça aurait été terrible. Money, money. Hydraulique améliorée. Le fun ou la lampe à l'huile parce que à date c'est ça qui me ralentit le plus. Bon, je vais y aller avec son corps. Ensuite le sac puis l'arme ou plutôt l'arme. Pas assez d'argent. Le téléporteur. Cette petite ressource là. 42$ pour le faire du 8. Bam. On peut casser ces blocs-là. Ouais. C'est quand même un peu long, ça va fonctionner un peu. On va essayer d'éviter un peu. On va juste continuer vers le bas.
Ouais, c'est en haut. La météore. Facile de monter dans cet environnement-là. Pourquoi ces blocs le répondent? Espérer pour monter maintenant. Putain, les pics sont par en haut. Peux-tu dire que le bloc va monter? On est peut-être rendu de l'autre bord de la planète Terre. On aurait passé le centre de la Terre avec la gravité est invertie. Ça c'est fatiguant. Oh oh! Très dangereux. Ah, oh! On peut esquiver, esquiver. Un autre point, on va y aller. Bon. Bien avoir. Donc, je peux activer tout elle. On ne peut pas avoir deux fois par la même. Allez. Là. Allez. Ok. On ne peut pas avoir par toutes les pièges possibles. On passe à travers. Non, on passe pas à travers. Bon, fait que l'eau est là. Je sais pas. Ah, pas
peut-être pas eu le bloc. Peut-être qu'on peut sauter. Faire le. On va essayer de les éliminer. Waouh. J'ai raté mon timing d'attaque plusieurs fois. On va essayer. Ah, je l'ai plus. Je recommence. Bon, nous sommes à voir par l'explosion. Là, on y va. Un sans fou. Ça a l'air d'ouvrir un petit passage, un petit raccourci. Désactive pas les fusils. $300 sont survie. Les éliminer. Allez, il y a un petit rayon là. Ouais, t'as pas fait. Ah, il m'a pas eu la bonne place. C'était juste un seul parce que... Bon.
va sortir de là. Bon, on a désactivé le piège qui était juste ici. On va continuer à descendre. Bloc par bloc. Mais bon, c'est pas... Ils n'ont pas des bons défis. Bon, oui. Où aller? Logiquement, depuis le début du jeu, on fait juste descendre vers le bas. Okay. Ça doit être par là-bas. Elle a beaucoup de ressources à gauche. Un seul pied. Je suis sorti dessus aussi. Là, je me demande vraiment, est-ce qu'on peut casser ce petit cube-là? Peut-être pas, mais on peut les désactiver en les attaquant. Donc, si je fais ça... On est assez loin de l'extérieur. Ça a l'air précieux, quoi. On va tasser ça. Ça va la peine. Faudrait retrouver un moyen de monter en haut. Ça commence à être risqué. Dans le deuxième jeu, c'était plus facile de remonter en haut, de faire ses chemins et tout. Dans celui-là, là, j'ai fait des chemins que je peux pas tant remonter. Dans cette section-là, précisément. Le deuxième jeu, c'était correct. On va continuer de descendre. J'ai plus de lumière, ça peut être très risqué. Je pense que j'aurais dû acheter un petit téléporteur. J'ai des ennemis ici. On va passer vite en espérant ne pas mourir. Oups, on va suivre. Ok.
lui a donné de l'eau. Il y a un téléporteur ici. Ouf! C'était limite. Tu as fait de plus de pièces neuves que d'anciennes désormais. Il te reste de la place. Je me demande vraiment ce que Joe avait en tête en t'envoyant cette mission. En préparant cette caverne. Accélérateur de pioche. C'est très nécessaire. Et on va aller voir ce que le marchand va ici. Bon, accélérateur de pioche. 20% plus 20% de vitesse de pioche. On va le prendre. On va le prendre. Ça aussi, on va le prendre. On va le finir. On va en prendre l'autre. Au niveau max. Bon, ça va être une prochaine fois. Ça, c'est trop cher. Avec le 20%. Un petit peu plus vite. Je pense pas désactiver les... Retourne en... Je n'ai... Derrière cette porte se trouve peut-être la raison de ta venue ici. S'il y a trois barrières, il y a trois générateurs. N'est-ce pas? Tu vas devoir les trouver. Et si tu regardais dans les couches supérieures? Peut-être était-ce cela qui rend les créatures si nerveuses. Bon, de ce que je comprends, pour revenir dans les trois zones où on était au début. Et... un. Donc ça va être ici. Ah, peut-être les choses qu'on ne peut pas faire avant. Comme ça. Non, ça c'est trop. Ah, ici on ne peut pas y aller. Le passage secret. Bon, on va aller voir. Et voilà. C'était pas très secret. Bon. Faut aller par là. Oh! Hey! Attaque tout ce que ça doit. Ouais. Et boum! Un de fait, ça. Il reste plus que... On va aller voir la petite ressource qui est là-bas. Je pense que je vais passer par... Pas que ça vaut la peine d'avancer. La ressource, la première zone. Alors. Ah, on pourrait remonter en voilà. Avant de continuer. Dandy? On va aller voir Dandy. Bienvenue, cher monsieur. Je pense que vous ne recevez pas de propositions à votre hauteur.
Ne vous inquiétez pas, Charles. À la recherche d'une marchandise impeccable et d'un service hors pair, Dandy Alexander est l'homme qu'il nous faut. Il est temps que quelqu'un apporte un peu de classe à cette ville. N'est-ce pas? Ah! Meilleure pioche, ça va être bon. Ah, bon, ça c'est le dernier magasin. On doit arriver déjà vers la fin du jeu. On va aller avec la pioche émeraude pour continuer. Faire mal au sort. Puis on presse les un peu avant de continuer. Et voilà. Je suis ici. Bon. Ça prend vraiment le meilleur. La forge. Un petit peu d'argent. Ça va tellement vite maintenant. Un coup de bim, bim. Ça va. J'ai plus de place. 12 $. Puis 7. Elle n'a pas été dans ce grotte là, on va y aller. Une bonne chose, quatre. Je vais aller chercher un petit peu d'eau que là. On va acheter cette ressource-là. Ça vous compte 20 sur 20. Bon, c'est dommage. Voilà. On est revenu sur le chemin. Oh, épique. C'est ici. On
déjà venu ici aussi. Il y a des ressources qui font le plus ici. Je pense qu'on va acheter celle-là. Puis celle-là. Ça vaut bien plus. Celle-là vaut combien? 75. Regardez. On a plus de celle-là. Bon, on va continuer. Un petit poison rebondit maintenant. Bon. On est rendu. Juste des petites boules bleues. Faudrait que je fasse attention au poison là. Ah, c'est pas une plateforme ça? À chaque fois que je me parle. Le pour sortir. Bon, là, faut que je me souvienne comment j'avais fait pour sortir. C'était très long pour parler. Ça, c'était par la gauche, peut-être. J'essaie de me fier à minimap, mais c'est pas très très fort. Il y avait une ressource ici que je manque. Bon, on préfère d'acheter ce que lui a à vendre. Et ça fait ce fait. Plus de vie très pratique. Encore plus de vie, pourquoi pas. Ça m'amuse. Mieux de passer par ici. Bon. Y a-t-il une mini? Non. Bon, c'est bien, ok. Ah, pas de survivre. Tout très long, là. Tout va vite. Ça peut être amélioré, hein. Je sais pas où aller. Mais. Je sais pas à quel point ils ont mis ça profond.
Attends, j'ai une idée. On va un petit raccourci. On va vider un petit peu. Vider nos poches. Sac gargantuel. Faut qu'on avait fini avec lui. Lui, on avait tué. Oh, on avait fini. Il restait juste Dandy. C'est un gold. C'est un lampe à plasma. Ça rajoute une minute. On va attendre. Je pense qu'on va arriver à la fin du jeu très vite. Je pense pas qu'on aura le temps d'acheter toutes les améliorations. C'est pas grave. Bon, il faut juste finir le jeu. On devrait arriver bientôt. On passe par là aussi. Aussi, on avait été un peu vite tantôt ayant peur de mourir. Ça a manqué de lumière. Bon, on est encore. On est encore bien sur la lumière. C'est inquiétant. On devrait y arriver avant. Là. Bien. Tabarouette, ça fond, ça fond. Voilà, un petit peu plus vite. Ça on est quasiment revenu où est-ce qu'on était tantôt. Enfin, on est revenu. On va aller s'y aller, vendre des ressources. Avec ça, on va pouvoir s'acheter. Je pense que ça serait bien utile la pioche en diamant. Ah, il reste la pioche en diamant. Point, je le suis jamais. On l'améliorera pas.
Et voilà. Bon, je crois qu'il fallait continuer le coup pour... Bon, on est déjà arrivé. On va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Il y a 4 ressources à droite, je suis vraiment curieux. Donc on peut aller là. Et voilà, je pense qu'on va aller vendre les ressources. Peut-être faire une petite amélioration avant d'aller voir la porte. On prend le coupon aussi. Enfin, on ouvre la porte. Bon. Un boss, bienvenue à Vectron. Bisous. Rusty. Joe. Une partie de Joe réside dans notre nouveau corps. Il a fusionné avec nous. Nico, ce sera ton tour. Nous avons besoin d'un bon cœur. Nous avons préparé. Nous t'avons, ouais, préparé. En te dépouillant de ta faible coque de Steambot. Désormais, tu es des nôtres. Puisque tu n'es toi-même. Nous serons invincibles. Le Volpot gagnera. Régnera. C'est vrai, tu m'as bien préparé. Je suis prêt à t'arrêter. Nous avons besoin de ton cœur. Si tu ne nous le donnes pas. Bzzzt. Bon, c'est un boss. Je désactive. On va faire le. On va essayer l'attaque. Ah, il fait du dégât. Là, il y en a plus à faire.
peur. Y'en a un ici maintenant. Ah, ça va. Oui, j'ai attaqué ça là. Il là là. On s'attend maintenant. On va s'occuper du dialogue. Bon, peux-tu? Allez. Première partie faite. On va pouvoir le péter tranquille. C'est bon, petit. Bon, il reste un jeu. Ah là là, tombé de haut. On va taper ça. Ah. Je tiens de côté. Bon. On va taper ça. En haut, on va laisser. Il y en avait un ici. On va le taper ici. J'espère que c'est la fin du boss.
J'ai terminé et regardé mon chef-d'œuvre. C'était pas censé être une statue de Rusty. C'est tout de même lui qui a sauvé la ville de démon. Pas cette chose. Et puis c'est quoi ce truc? Un singe en ferraille? N'est-ce pas évident? C'est un steambot destructible qui accède à la divinité. Ça ressemble un peu à mon pauvre père, après qu'un train lui ait passé dessus. Paix à son nom. Ma sensibilité pour les belles choses de la vie est complètement gauchée. Sans Rusty, cet endroit est totalement dépourvu d'Atlas. Pourquoi aurions-nous besoin de ce monument? Nous n'avons pas fini de chercher là-dessus. Il a disparu depuis un mois, ma belle. Le cataclysme a détruit tout ce qu'il y avait sous Old World. Il ne reste que des décombres. Tu devrais regarder vers l'avenir. Vers l'avenir, ma belle. Une jeune femme n'a pas à fouiller dans cette tunnel. Rien ni personne n'est sorti vivant de cette destruction, ma chère. Mais enfin, cette fille ne peut pas être la seule à avoir un peu de courage. Rusty me manque aussi. C'était un bon ami. Je me souviens du premier jour où il est entré dans ma boutique. C'était un mardi. Ah non, j'ai pas joué mardi. Ressaisissez-vous, monsieur. Il n'a pas pu s'évaporer, n'est-ce pas? Il est quelque part là-dessous, je le sais. Je continuerai à le chercher. Quoi qu'il arrive, je le trouverai. Le jeu se regarde. Oh, j'ai fini en moins de 2h30, succès. Le robot qui pouvait détruire. Bon, j'ai fini en 2h24. Je mens 6 fois. Puis des heures où 104. Ça vaut de l'argent. Et le générique de fin. Et c'est ça. C'était tout pour SteamWorld, le premier du monde. J'ai bien aimé le jeu, c'était le fun, c'était agréable, il était court, fait que c'est pas un jeu où est-ce que tu t'impliques pendant plusieurs heures, comme un MMO pis tout, fait que non, c'était très agréable. Fait que merci, bonne journée, merci d'avoir regardé.